Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, on va traiter du thème « Comment se fâcher avec la moitié de la planète ?» On va faire le plat, l'un des plats les plus connus au monde. Il y a à peu près recensé 1 663 022 façons de le faire. Moi, je vais vous faire mon couscous, ce qu'on appellera le couscous de la riade. Je sais que plein vont me dire « Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, etc. » Ça, c'est le couscous de mes expériences, de mes voyages, de mes rencontres, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou en France, avec des originaires de ces pays. Alors, merci de ne pas commenter en donnant la leçon. Juste essayez-le et dites-moi. De quoi avons-nous besoin pour réaliser le couscous de la riade? On va faire en deux plans. On va faire le plan légumes, mise en route, les épices et autres. Puis après, on va parler de la viande, l'accompagnement. Puisque après, là, c'est open bar. Donc, il faut quoi? Moi, ce que je mets, des navets, oignons, aubergines, courgettes, carottes, tomates et céleri branche. Évidemment, il y a besoin de semoule, de pois chiches, de raisins que j'ai mis dans l'eau pour réhydrater et harissa. Pour les épices, j'ai mis du rasellanout, du paprika, de l'origan, du concentré de tomate et un bouquet garni. On va commencer à faire la cuisson. Ici, j'ai rempli à moitié mon couscoussier d'eau. Je le mets en route tranquillement. On épluche les légumes. Juste, j'ai gardé un navet pour vous rappeler que le navet s'épluche au couteau et on enlève une assez grosse couche parce que la première couche du navet, c'est du bois. Si vous le mettez à cuire, ça va durcir et ça sera extrêmement désagréable à consommer. Donc, on épluche les navets et on va ensuite les couper en quatre. Et dès qu'on a coupé, celui-là il est un peu plus gros, je vais le faire en 6. Dès qu'on a coupé, on met directement. Là, on parle de tous les légumes qu'on va mettre dans la cuisson. Ensuite, pareil pour le céleri, on fait des morceaux, vous voyez, des morceaux à peu près de 3 à 5 cm. Et on met. Oignon coupé en 4. Les aubergines, on les coupe. Pareil, on fait des morceaux. Voilà, moi en général, quand j'ai mis la moitié des légumes, je mets les épices. Comme ça, les légumes qui vont revenir par-dessus vont enfoncer les épices dans la sauce. Paprika. Le rasellanout. Et notre concentré de tomate. Concentré de tomate, c'est un peu pour le goût, mais aussi pour la couleur. On va mettre le bouquet garni. Ensuite, pour les courgettes, je vais faire, vous voyez, 2-3 encoches. C'est plus agréable à manger après. Et là, on va les couper en rondelles d'à peu près 1 cm.
Et on remet dedans, bien sûr. Les tomates, on va les couper en deux. Elles vont à la fin normalement être complètement écrasées. Mais ça donne un joli aspect et du goût quand elles sont en saison assez bonnes. Alors, pour ceux qui vont me poser la question, la riade, c'est quoi? La riade, c'est l'endroit où j'habite. C'est un petit domaine, enfin très petit, hein. Et où on plante certains légumes et que de temps en temps on a le droit de mettre dans nos plats. Donc voilà, la riade c'est un endroit d'habitation. On coupe les morceaux de carottes à peu près comme ça, 3 à 5 cm toujours pareil, et on les met. On va finir par mettre un peu de sel. On va pas mettre de poivre parce que je pense qu'on a suffisamment d'épices et de parfums dans cette casserole pour le moment. Ça, on va le mettre à cuire une heure. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer mes garnitures viande. Et comment je réalise ma semoule. Tout ça, ça sera au moment de servir qu'on va les retrouver en accompagnement. A tout de suite. Les légumes sont en cuisson. Pour la viande, à la riade, c'est toujours de l'agneau, merguez, poulet. Et ensuite, assez régulièrement, on essaye d'avoir une petite brochette de bœuf. L'agneau, c'est une côtelette, parfois un morceau de collier, que je vais faire poêler avec 2-3 petites herbes. La merguez, soit au barbecue, soit à la poêle, pareil, en dernière minute. Les pilons de poulet, je prends toujours des pilons parce que je trouve que c'est plus agréable à manger et puis ça diffuse une bonne petite saveur. Je vais les poêler et les terminer au four. Les brochettes de bœuf, je vais les fabriquer. Je vais mettre un petit peu d'oignon ou d'échalote et un petit morceau de poivron. Vous savez, viande, poivron, échalote, tac, tac. Je vais en faire 4. Là, il y a tout pour 4. Donc, je prépare tout ça. Et tout à l'heure, quand on va revenir, je vous montrerai pour la semoule et puis la finition de la recette du couscous de la riade. Vous savez, la riade, c'est là où j'habite. C'est pas R-Y, mais c'est R-I-A-D-E. A tout à l'heure, les amis. Alors, les fines bouches. Le couscous, on est d'accord, c'est 3 éléments. C'est les légumes, la viande. Il y a un élément central, c'est la semoule. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Là, j'ai avancé pour qu'on arrive en fin de cuisson. Depuis à peu près 3 quarts d'heure, toutes les 6-7 minutes, je rajoute un petit peu d'eau salée, parce que faut bien saler ça, de l'huile d'olive ou du beurre, mais huile d'olive, et je remue d'abord comme ça. Pour bien répartir l'eau qui va être absorbée par la semoule, ce qui fait qu'elle va grossir. Et ensuite, j'essaye de la prendre un peu par les mains, mais c'est de plus en plus chaud, plus ça avance. Puisque là, la vapeur, elle maintient le plat au chaud. Donc c'est l'idée, elle grossit et elle va se retrouver hyper onctueuse. Là, elle est cuite. Donc, je vais maintenant, dressez tout pour que vous ayez une vision de ce qu'est le couscous de la riade. Vous me laissez 5 minutes, je fais cuire les dernières viandes, j'arrive et je vous présente tout ça. A tout de suite.
Voilà les fines bouches, vous voyez à la riade, un petit encas, petit couscous, les légumes, la semoule, qui est toute onctueuse, dommage que vous ne puissiez pas la goûter, côtelettes et poulet, merguez, brochette de bœuf qu'on a fait avec le bœuf que vous avez vu tout à l'heure, un petit peu de jus pour ceux qui veulent. Il y en a aussi souvent ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit pot avec le harissa, ou la harissa, je ne sais jamais comment on dit. On met un peu de jus dedans, puis on prépare un petit jus que chacun va se saucer. Saucer, chacun le sait, c'est pas trompé. Ensuite, on a nos pois chiches que j'ai fait recuire dans du jus de couscous. Le raisin sec pour parsemer pour ceux qui aiment. Allez, en avant des guidons. Bon appétit. Voilà les fines bouches. Pour conclure cette séquence, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette technique. C'est parce que quand j'ai commencé à faire du couscous, je faisais d'abord revenir de la viande, ensuite je mouillais et j'avais les légumes, et je trouvais que c'était gras. Je trouvais que le gras de la viande venait quelque part un peu tuer le parfum des légumes. Donc maintenant, en les cuisant séparément, ben, on a le plein goût de la viande avec son gras et le plein goût des légumes. Voilà, c'est ça la riade. On se mélange pas, mais on profite de tous les parfums. Alors, à vos couscoussières, à vos cuillères en inox et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?